Donc là, c'est comment insérer comment visualiser un fichier PDF en ligne. En fait, c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste mettre un petit code. Donc là, je suis sur système.io. Donc là, c'est dans l'espace de formation. Et là, je vais mettre un fichier PDF en ligne. Je vais le visualiser dans mon espace formation. Alors, pour commencer déjà, alors là, c'est un fichier PDF que j'ai hébergé sur Google Drive. Et là, on va obtenir le lien partageable. Ouais, le plus simple, c'est de le mettre sur Google Drive ou, et puis après d'obtenir donc le lien partageable. Donc là, je fais partager. Ouais, obtenir le lien de partage. Je copie le lien. C'est bon, et ensuite je vais juste récupérer. Ah, c'est là, donc c'est la première solution. Alors, on va faire la première solution. Alors, j'ai trouvé ça. On copie. Et là, j'ai fait une bêtise, c'est pas grave. Je vais là. Et là, en fait, on va mettre HTML. Et là, hop. On copie. Je colle. Et là, en fait, je vais récupérer un nouveau parce que du coup, c'est pas bon. Je copie le lien. Voilà, je le refais à nouveau parce que j'avais déjà copié. Et là, en fait, on récupère. Là, je sélectionne. On colle. Et voilà, le tour est joué. Et ensuite, il n'y a plus qu'à sauvegarder. Je prévisualise. Et voilà. Et cette fois-ci, c'est bon. On a notre fichier PDF en ligne. Voilà, c'est. Voilà, ça fonctionne, c'est nickel. Alors ça c'est pas mal.